Alors, وقتاش Bon, c'était une garde un lundi, chez l'hôpital Charles Nicolle, service des urgences de médecine. C'était vers 20h du soir. Qui fait ça, t'laquer? Alors, j'étais seule dans le box de médecine, et là, j'étais en interne deuxième année. Il y avait minimum, en parlant des patients et de leurs parents, minimum, il y avait 30 personnes dans la salle. Entre autres, j'avais une patiente donc supplicient d'AVC que j'étais en train d'examiner, fait ça de manière à table d'examen. D'Arlet malade, chariot, et j'ai vu ma orta, ou je pense son frère, un parent, ils étaient affolés, l'ouvrier. Quand j'ai dit que je suis je suis un drachement, je suis un chauffeur, c'était une crise H. Donc c'était une crise H évidente. Quand on a eu l'infirmier, on a eu l'appel à dogmatique. Bien sûr, Khalid, ce n'était pas vraiment une urgence. Je me suis quand même chauffé malade, donc j'allais lui demander un scanner. Donc il a qu'il j'ai eu l'appel à patient. Donc il a eu l'appel à patient, je suis allé à quelqu'un, ou hasit عندها شريكه لبستها بلاستيك و سبورت هزتها فوالا ضربتني بها دونك جي كيتي واحد البيرو هذيك و ان ساشون لي هي وقتها تجري ورايا و كليم زايد و بشرتك تخدم في باتوار و برشا كليم زايد حاسيبو كاو مشيت للبيرو سورفيون قال لي واش صعبين لكم يسير شو ما جرى شيء اونتر تون يا في اوكين سيكوريتي معناها ان بوفي فير بلوس كو سا اي يا في بيرسون يا في با دو سوجيكاد يا في بيرسون معناها ا كوتي دو موا وعلاش في رايك حاجه كيما هكا تصير اليوم؟ الوغ اون بروميي ليو جو بونس الشعب التونسي بريمون فيه برشا تخلف وبرشا جهل بون سا اون لو سي ابار سا فما لا نوسيون اللي كيجيو للاورجونس هذا بالحق جو لو بونس معناها اللي كيجيو للاورجونس ايل سو سونت اوبليجي دتر فو باغ ان ميدسان اكس الوغ كو معناها ان مالاد ماشي بالحق راه ماشي الكلينيك ولا ماشي الميدسان يحس في روحو ان روا معناها يحس في روحو الا شوازي سو ميدسان بور لو فوار On me dit l'urgence déjà avec le préjugé de bib stagiaire ou mère fatchaï ou mère chirdem ou ena je suis j'ai pas d'argent je suis obligée de venir à l'hôpital donc je suis obligée d'être vue par ce stagiaire médecin ou mère fatchaï donc déjà avec un préjugé il va être maltraité parce qu'il n'a pas assez d'argent parce qu'il est obligé de venir à l'hôpital je pense c'est ma façon de voir les choses peut-être que je me trompe. D'un autre côté, bien sûr, manque de sécurité, je n'en parle pas, c'est affreux, c'est haja flagrante, les hôpitaux. D'accord, merci.